J'avais voulu commencer par les civilités d'usage. I wanted to start with gentleness. Le Seigneur en a décidé autrement. The Lord decided otherwise. Mais je voudrais saluer les anciens de l'église d'Abidjan. But I want to greet the elders of the church in Abidjan. Je voudrais saluer le président de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire. I would like to acknowledge the leader, the president of the youths of CMFI Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer et féliciter tous les dirigeants de jeunes qui sont là. I would like to acknowledge and congratulate all the youth leaders who are here. Je voudrais saluer tous les dirigeants d'assemblée. I would like to greet and acknowledge all the house church leaders. Et tous les autres dirigeants. And all the other leaders. Selon leur rang respectif. According to their respective ranks. Au nom du frère Theodore Andossé. In the name of brother Theodore Andossé. Président mondial de la CMCI. The international president of CMFI. Je vous salue. I greet you. Il vous envoie ses chaleureuses salutations. He sends you his warm greetings. Il porte Abidjan dans son cœur. He carries Abidjan in his heart. Il porte la Côte d'Ivoire dans son cœur. He carries Côte d'Ivoire in his heart. Progressivement, la Côte d'Ivoire est devenue une base incontournable pour notre œuvre. Progressively, Côte d'Ivoire has become a base that we cannot do without in our work. Je voudrais particulièrement saluer les semeurs. I would like to particularly greet the sowers. Ils sèment. They sow. Ils ne chantent pas. They don't sing. Ils sèment. They sow. Toutes mes félicitations. All my congratulations. Continuez dans la même lancée. Just continue in the same light. Semez. Sow. Et transformez les vies. And transform lives. Vous avez reçu l'autorité et la puissance. You have received authority and power. Et enfin, je voudrais saluer toute l'assistance. I would like to finally I would like to greet everyone here. Si tu estimes qu'on ne peut pas te citer, lève ta main, c'est toi que je salue maintenant. Je te salue dans le précieux nom de Jésus. I greet you in the precious name of Jesus. Écoute, les hommes peuvent ne pas te connaître. Listen, men may not know you. Mais le ciel te connaît. But heaven knows you. Le ciel te connaît. Heaven knows you. Et le ciel te connaît pour ce que tu es. And heaven knows you for what you are. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Et au ciel, and in heaven, l'ordre de préséance, the order in heaven, ce n'est pas l'ordre établi par les titres humains. The order of precedence is not the order that is established by human titles. C'est l'ordre établi par la vie de chacune des brebis du Seigneur. It is the order established by the life of each of the sheep of the Lord. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je voulais commencer par une exhortation de provocation. I'd like to begin by an exhortation of provocation. Je veux m'adresser particulièrement à ceux qui sont abattus. I would like to talk particularly to those who are downtrodden. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont baissé les bras. I would like to talk to those who have brought down their efforts. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont régressé. I would like to talk to those who have backslidden. À cause des circonstances de la vie. Because of the circumstances of life. Je veux leur dire ce soir. I want to tell them tonight. L'erreur à commettre. The error to commit. C'est de blâmer Dieu. Is to blame God. L'erreur à commettre. The error to commit. C'est de se lever contre Dieu. Is to rise up against God. Sa parole est établie. His word is established. Elle est la vérité. It is the truth. Elle est inébranlable. It cannot be shaken. Et elle dit. And it says. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. That everything works together for the good of those who love the Lord. Mais quand on se retrouve dans les difficultés, but when we find ourselves in difficulties, plusieurs personnes, many people, oublient la vérité et l'autorité de la Bible. Forget the authoritative truth of the Bible. Ils regardent à leurs circonstances, they look at their circumstances, et ils sombrent, and they sink. Ils deviennent désagréables à Dieu.
they become displeasing to God. Parce que la Bible dit dans le livre de Dieu, because the Bible says in the book of Hebrews, chapitre 11, verset 6, chapter 11, verse 6, or sans la foi, for without faith, il est impossible d'être agréable à Dieu. It is impossible to please God. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, because the one who comes close to God, croit que Dieu existe, must believe that he exists, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. And that is the reward of the one who seeks him diligently. Ça fait plus d'un an, it's more than a year, que mon épouse est malade, that my wife is sick. Elle a été très malade. She has been very sick. Je dirais qu'elle est en train de ressortir de la tombe. I would say that she's coming out of the tomb. Elle a été si malade qu'à un moment elle m'a regardé et elle m'a demandé. She has been so sick that one time she looked at me and asked me. Si je mourais, on va m'enterrer où? That if I had to die, where would they bury me? Froidement. Coldly, je lui ai dit trois possibilités. I gave her three possibilities. Parce qu'elle me demandait si j'ai réfléchi à cela. Because she was asking if I've thought about it. Et je lui ai dit que j'y ai réfléchi. I told her that I thought about it. Je lui ai présenté les trois possibilités. I presented three possibilities to her. Et si j'ai bon souvenir, and if my memories are okay, je lui ai dit aussi, I told her, si ta famille discute le corps, je leur donne directement. That if your family argues for the corpse, I give them. Directement. I give them directly without arguing. Et je viens à l'enterrement. And I'll come to the burial. Ça n'a pas été facile. It has not been easy. De se retrouver dans une position d'impuissance. To find oneself in a powerless position. Ça n'a pas été facile. It has not been easy. D'être appelé pasteur, to be called pastor, et d'avoir sa femme alitée, and to have your wife seriously sick, bedridden. 1 mois, 1 month, 2 mois, 2 months, 3 mois, 3 months, 6 mois, 6 months, 7 mois, 7 months, 8 mois, 8 months, 6 mois, 10 months, 12 mois, 12 months. Et on a prié, and we have prayed, et on a jeûné, and we have fasted. Ça n'a pas été facile. It has not been easy. D'affronter le regard d'autrui. To look at the face of the other. De répondre aux questions des voisins. Mais ta femme est où? To answer the questions of neighbors. Where is your wife? Mais je me suis aussi dit. But I also told myself. Satan. Si tu penses que je vais m'asseoir pour pleurer. If you think that I'll sit down to weep. Tu t'es trompé. You have deceived yourself. Je presserai de l'avant. I will go forward. Je presserai de l'avant. I will go ahead. Et j'ai pressé de l'avant. And I've moved ahead. Contre vents et marées. Above with all the storms. Je n'ai réduit aucune activité. I have not reduced any activity. Je n'ai pas réduit mon rythme de fonctionnement. I have not reduced my rhythm of functioning. Je l'ai consacré à Dieu. I consecrated her to God. Et je l'ai laissé entre les mains de Dieu. And I left her in the hands of God. Et l'Éternel a fait son miracle. And the Lord has done his miracle. Elle est sur pied. She is on her feet. Ça a été très difficile. It has been very difficult. Et même déchirant. And even tearing apart. De la laisser dans la chambre. To leave her in the room. Elle a fait près de peut-être 3 ou 4 mois où elle ne partait pas de la chambre pour le salon. She spent about 3 months during which she did not go from the room to the parlor. Où elle ne pouvait pas aller de la chambre pour la douche. Where she could not go from the room to the bathroom. Et l'a laissée dans cet état pour aller prêcher l'évangile, pour aller rendre ministère. And leaving her in that state to go and preach the gospel and render ministry. N'était pas facile. Was not easy. Mais Dieu ne nous appelle pas aux choses faciles. But God does not call us to easy things. Tous ceux qui veulent avoir une carrière spirituelle avec Dieu, all those who want to have a spiritual career with God, sont appelés à fonctionner dans le surnaturel. Are called to function in the supernatural. Ils sont appelés à faire face à ce qui n'est pas commun. They are called to face that which is not common. Dieu est rude dans le choix de ses serviteurs. God is
is hard on the choice of his servants. Dieu est exigeant dans le choix de ses serviteurs. God is demanding on the choice of his servants. Et pendant qu'elle est dans cet état, and while she's in this state, ma sœur aînée que certains d'entre vous connaissent, my elder sister that some of you know, est venue lui rendre visite au moins trois fois. She came and visited us at least three times, l'encourageant, encouraging us, priant pour elle, praying for her, et contre toute attente, and above all expectations, le 21 février, on the 21st of February, c'est plutôt elle qui est morte. She's the one who died. La sœur Madeleine Colombe-Yombi. Sister Madeleine Colombe-Yombi. Chante de l'Éternel. A singer for the Lord. Femme de gloire. Woman of glory. Femme de la présence de Dieu. A woman of the presence of God. Elle s'en est allée. She went away. Et pendant qu'on préparait ses obsèques, and while we're preparing for her funeral, j'étais rendu ministère à Boya. I went to render ministry in Boya. J'ai continué à rendre ministère. I continue to render ministry. Pourquoi? Why? Parce que j'avancerai contre vents et marées. Because I was going against the storm. Je ne suis pas appelé à m'arrêter. I'm not called to stop. Je suis appelé à presser jusqu'à ce que le but soit atteint. I'm called to press until the goal is accomplished. Qu'en est-il de toi? What about you? Qu'en est-il de toi? What about you? Ça a été difficile. It was difficult. De laisser les enfants. To leave children. Le premier a 7 ans. The first is 7. La deuxième a 3 ans. The second is 3. À l'aéroport. At the airport. En fait, depuis longtemps, la deuxième est derrière moi. On part chercher maman quand? On part chercher maman quand? Oh, for a long time, in the past months, oh, when are we going to look for mama? When are we going to bring her? Parce qu'elle est encore en évacuation sanitaire. Because she's still on medical evacuation. Une fois, je lui ai dit, non, écoute, pour aller la chercher, on doit prendre l'avion. One time, I told him, in fact, to go and look for her, we need to take the plane. Et il faut de l'argent. And we need money. Elle m'a dit, j'ai l'argent. She said, I have money. Je lui ai dit, c'est où? I asked her, where is it? Elle m'a dit, Daddy Tiolo m'a donné l'argent. She said, Daddy Tiolo gave me money. Je lui ai dit, c'est où? I said, where is it? Elle dit, c'est dans ta poche. He said, it's in your pocket. Ce matin à l'aéroport, this morning at the airport, pendant que je venais à Abidjan, when I was coming to Abidjan, elle m'a dit, she told me, on va entrer dans l'avion pour partir prendre maman. We are going to get into the plane to go and get mama. Et je peux t'assurer, and I can assure you, ça déchire à l'intérieur. It breaks on the inside. Mais il faut avancer. But you need to go ahead. Ça déchire à l'intérieur. It breaks on the inside. Mais il ne faut pas reculer. But you should not look back. L'aîné a fait ses petites crises. The first one had some crises. Mais il fallait partir. But we had to come. Les laissant entre les mains d'autres personnes. Leaving them in the hands of others. Les laissant à la merci d'autres personnes. Leaving them at the mercy of others. Mais les laissant entre les mains du roi des rois. But qui ne sommeille ni ne dort. Leaving them in the hands of the King of Kings. Qui veille. Who watches. Et qui est fidèle. And who is faithful. Rien ne m'arrêtera sur le chemin. La distance encore moins. La souffrance, je braverai le soleil et les tempêtes, et je combattrai au nom de l'Éternel. Quel que soit le temps que cela mettra, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde, j'irai relever tous ceux qui sont tombés, j'irai. J'irai. Oh. Voilà ma détermination. This is my determination. Quelle est la tienne? What is yours? À quel carrefour as-tu abandonné Dieu? At what junction did you abandon the Lord? À quel carrefour as-tu regardé en arrière? At what junction did you look back? Je voudrais te dire,
I want to tell you, Jésus est sur le trône. Jesus is on the throne. Jésus est assis sur le trône. Jesus is seated on the throne. Il ne dort pas. Il ne dort pas. He doesn't sleep. Il n'est pas distrait. He's not distracted. Il a permis chacune des choses qui te sont arrivées. He has permitted everything that happened to you. Et il les a permises pour un but précis. And he has permitted them for a goal. Je ne sais pas pourquoi je passe par ce par quoi je passe. I don't know why I'm going through what I'm going through. Mais je sais que Dieu sait pourquoi. But I know that God knows why. Et je sais qu'à la fin, and I know that at the end, ce sera la joie. It will be joy. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Because everything works together for the good of those who love the Lord. Donc si tu as reculé, so if you have gone back, si tu es en train de blâmer Dieu, if you are blaming God, si tu as tout laissé tomber, if you have left everything, tu as fait une erreur. You have made an error. Ma vie dit que tu as fait une erreur. My life says I have committed an error. Et le Seigneur m'a envoyé pour te dire tu es en train de commettre une erreur. And the Lord has sent me to tell you that you are committing an error. Tu peux arrêter cette erreur ce soir. You can stop this error this evening. Tu peux arrêter cette erreur ce soir. You can stop that error this evening. Écoute. Listen. Tes inquiétudes n'ont rien changé à la situation. Your fears have not changed anything to the situation. Tes murmures n'ont rien changé à la situation. Your murmurs have not changed anything about the situation. Tes rébellions n'ont rien changé à la situation. Your rebellions have changed nothing on the situation. J'ai appris à dire. I've learned to say. Il y a des choses que nous ne comprendrons jamais de ce côté du soleil. That there are things I would never understand on this side of the world. Quand on sera avec le roi des rois, when we'll be with the King of Kings, on comprendra. We'll understand. Mais, but il est fait pour notre bien. He is doing it. They are done for our good. Quand ça fait mal, when it pains, il est fait pour notre bien. It is for our good. Quand ça ne fait pas mal, when it's not painful, il est fait pour notre bien. It is done for our good. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Je crois que l'une des choses avec lesquelles je sortirai de cette situation triste de mon épouse, I think that one of the things I will come out with from this sad situation of my wife, ce sera la puissance de réprimander l'immoralité dans les vies des gens. I think it's the power to rebuke immorality in the lives of people. Parce que après plus de 10 mois, because after more than 10 months, sans aucune activité sexuelle, without any sexual activity, je ne vis pas dans l'immoralité, and not living in immorality, même pas dans mes pensées, and not even in thoughts, je suis en train d'acquérir l'autorité, I'm gaining authority, pour fustiger l'immoralité, to rebuke immorality. Et comme c'est la tombe de la jeunesse dans notre génération, and since it's a problem of the youth in our generation, l'Éternel est en train de me qualifier, the Lord is qualifying me, et je réussirai au test, and I will succeed. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Donc s'il te plaît, so please, tous ceux qui ont les procès contre Dieu, all those who have cases against God, lève-toi en pleurant et en abandonnant. Si ça fait mal, pleure mais abandonne. Stand up, even weeping, and you abandon it. C'est un match que tu as perdu. It's a game that you have lost. Depuis que tu te querelles avec Dieu, il est assis sur le trône. Since you started quarreling with God, he's seated on the throne. Et il règne. And it's raining. Et le monde avance. And the world is moving forward. Et dans le conseil des nations, and in the council of nations, tu es une fourmi. You are like an ant. Il est Dieu. He's God. Il demeurera Dieu. And he will remain God. Donc si le Seigneur s'adresse à toi, so if the Lord is talking to you, lève-toi. Stand. Et repens-toi à Dieu. And repent to God. Et décide de changer. And decide to change. Décide de le servir. Decide to serve him. À n'importe quel prix. At whatever price. Décide de le servir. Decide to serve him. Quelles que soient les conditions. Whatever the condition. Donc que tous ceux qui doivent prier se lèvent et prient ensemble. Let all those who have to pray stand up and pray together. Tous ensemble, together. Prions au même moment. Kabaraka santa rokoto koroko baka rekata kata kabaka jo rebaraka taka rakata kata kata tata tata tata. L'OS vient prier pour la guérison des maladies émotionnelles. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous connais.
Et tu connais les difficultés dans lesquelles se trouvent tes enfants. Tu connais le type de carrefour auquel ils sont arrivés. Et Seigneur éternel, ce soir, je plaide dans le nom de Jésus que tu les aides à arrêter totalement, Seigneur, le procès contre toi. Et de recevoir la guérison qui vient de toi. De recevoir la guérison qui vient de toi. De recevoir la guérison qui vient de toi. Pendant qu'ils sont devant ta face, oh Seigneur éternel, que les miracles se produisent. Oh Seigneur éternel, que les cas s'ouvrent. Oh Seigneur éternel, qu'ils reçoivent, Seigneur, ce que tu as prévu pour eux. Que l'honneur et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ afin que pendant que chacun de tes enfants est en train d'abandonner tout ce qu'il fait avec toi, pendant qu'il est en train de prier, Seigneur, que tu pardonnes, Seigneur. Nous prions que tu pardonnes, Seigneur. Et nous prions que tu apportes la guérison dans chaque cœur, Seigneur. Que ta parole qui dit que tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh Seigneur, s'accomplisse maintenant. Que chaque cœur reçoive ta guérison. Que chaque cœur reçoive ta consolation. Que chaque vie reprenne, Seigneur. Que la marche reprenne. Que la course reprenne. Là où chacun a abandonné. Nous te supplions, agis. Nous te supplions, manifeste-toi. S'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La tourmente s'abat sur mon âme, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône. Et je sèche mes larmes, Jésus est sur le trône. Il est sur le trône. He is on the throne. Il est sur le trône. He is on the throne. Et parce qu'il est sur le trône, because he's on the throne, tout va bien. All is well. La tourmente s'abat sur mon âme, hit on my soul. Mais je suis calme, but I am calm. Car en moi brûle sa flamme. Even when it burns inside, son amour m'emballe. His love envelops me. Ses paroles m'enchantent. His words calm me. Et je sèche mes larmes. And I dry my tears. Jésus est sur le trône. Jesus is on the throne. Et je sèche mes larmes. And I dry my tears. Jésus est sur le trône. Jesus is on the throne. Il est sur le trône. Allons-y ensemble. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône. Il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Voici la piste. This is the way. Par ici passent les justes. This is the way that the righteous go. C'est un chemin rude. On the hard way. Où on est chargé d'une vieille croix rude. C'est un chemin étroit. It's a narrow way. Et c'est ce qu'exige ma foi. And that is what the faith. Car je sais au fond de moi. And I know deeply. Jésus est sur le trône. That Jesus is on the throne. Tout ce que je sais. All that I know. C'est qu'il est sur le trône. Is that he is on the throne. Il est sur le trône. Il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Et parce qu'il est sur le trône, tout va
oui, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Et tant qu'il est sur le trône, tout va bien. Mets la main sur ta poitrine et dis au Seigneur, Seigneur. Put your hand on your chest and say, Lord. Tant que tu es sur le trône. As long as you're on the throne. Tout va bien. All is well. Tout va bien. All is well. Peu importe ce que les circonstances disent. No matter what the circumstances say. Tu es sur le trône. You're on the throne. Tu es sur le trône. You're on the throne. Tu es sur le trône. You're on the throne. Tu es sur le You're on the throne. Tu es sur le You're trône. On the throne. Et tout va bien. And all is well. Et tout va bien. And all is well. Et tout va bien. And all is well. Donne-moi les yeux pour te regarder. Give me eyes to look at et pour you. Te regarder sur le trône. And to look at you on the throne. Et pour rester focalisé sur le trône. And to focus myself on the throne. Pour que tout aille bien. For all to go well. Pour que tout aille bien. For all to go well. Parce que tu es sur le trône. Because you're on the throne. Et tu as vaincu. And you have overcome. Pour t'asseoir sur le trône. To sit on the throne. Et tu es pour toujours assis sur le trône. And you are forever seated on the throne. Et de génération en génération. And from generation to generation. Tu es sur le trône. You are on the throne. Je suis né, tu étais sur le trône. I was born, you are on the throne. Tu m'appelleras peut-être en étant encore sur le trône. You go, you still be on the throne. Tu ne quitteras jamais le trône. You will never leave the throne. Je ne veux plus jamais perdre l'espoir. I will never lose hope. Je ne veux plus jamais perdre l'espoir. I'll never lose hope. Tant que tu es sur le trône. As long as you're on the throne. Je sais que tout ira bien. I know that all will go well. Tant que tu es sur le trône. As long as you're on the throne. Je sais que tout va bien. I know all will go je well. Je sais que tout va bien. I know all is well. Je sais que tout va bien. I know all is well. Je sais. I know. Tout va bien. That all is well. Amen. Amen. La tâche est immense, la tâche est immense, mais Jésus compte sur ses amis.